just to want to love. Live it, share it, you know. It's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu en live. Ça fait 15 jours. Bonjour, bonjour. Coucou Elsa, coucou Martine, coucou Martine. Comment allez-vous? Coucou Marianne, j'espère que vous êtes en super forme par ce magnifique temps que nous avons, que vous êtes un petit peu au frais, posé tranquillement pour cette petite heure créative en ma compagnie. J'espère que vous passerez un bon moment. Ça va Martine, c'est gentil. Coucou Patricia. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau live créatif et nous allons réaliser une carte très originale aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, vous allez voir, c'est super simple à faire. Du moment qu'on prend le temps de se poser et de bien regarder comment je fais, vous verrez, ça sera super chouette. Et du coup, vous allez pouvoir décliner cette carte dans plein de thèmes différents. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous éclater. Excusez-moi. Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite du fond du cœur la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice en pin-up depuis janvier 2003. Et presque chaque semaine, je vous propose un live créatif le lundi après-midi à 14h. Tous les projets que je vous propose sont exclusivement réalisés avec les produits Stampin' Up, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les réaliser avec ce que vous aurez chez vous. Coucou Fafa, bonjour Héloïse, bonjour Fabienne. Si vous avez envie de reproduire à l'identique la première ou la deuxième version de ce que je vous propose chaque lundi, eh bien je vous invite après le live à vous rendre sur mon blog harmoniescrap.fr sur lequel eh bien, vous trouverez tout le replay, la fiche technique complète et la liste des articles que j'aurai utilisés. Bonjour Aude, bonjour Viviane, comment allez-vous? Je suis très 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 contente de vous retrouver. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas retrouvé en live et ça me fait vraiment super plaisir. Tiens, j'ai pas coupé le son du téléphone. Bravo Harmonie. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est ok? Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Est-ce que vous êtes bien installé? Oui, une éternité, Fafa. 15 jours sans live, hein? C'est fou, hein? Ça paraît super long, en fait. Pourtant, je suis partie que 10 petits jours. À peine 10 jours. À peine 10 jours. Mais c'était tellement bien. J'ai hâte de repartir. C'est vrai. Un petit moment hors du temps. Vraiment. Complètement hors du temps. On a vraiment complètement déconnecté. Donc ça fait beaucoup de bien. Et qu'est-ce qu'on a ri. Vraiment. Donc ça, ça n'a pas de prix non plus. Bonjour Claudine, comment ça va? Alors, je voulais quand même vous dire, vraiment, vous l'avez sûrement vu passer, vous avez peut-être vu passer une petite... Merci Claudine. Bah oui, j'avais envie de vous faire partager un petit peu ces magnifiques paysages qu'on a pu observer vraiment pendant ce voyage. Vous le savez peut-être donc, je vous disais, vous avez peut-être vu passer sur mes réseaux. En ce moment, il y a une super promo Stampin' Up pour rejoindre la famille Stampin' Up. Et j'avais envie de vous dire... Tentez le coup. Vous ne prenez aucun risque. Vraiment, aucun risque. Le seul risque que vous prenez en tentant l'aventure,
C'est de dépenser 129 euros de produits en choisissant pour 207 euros. De faire partie d'une équipe hyper fun, hyper bienveillante, qui partage vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et entre autres la passion du scrap et de la carterie. Et on passe vraiment des super moments. Donc, tentez le coup, vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, on en parle au téléphone, par exemple. On prend un petit rendez-vous téléphonique et on papote un peu. Voilà. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Coucou ma petite Elsa, bah écoute, ça va bien. Revenue de cette petite escapade norvégienne un petit peu frisquette, le choc des températures a été redoutable. Mais pleine, la tête pleine de souvenirs, donc ça c'est chouette. Ça va Carole? Alors, je vous propose tout de suite de découvrir le projet en action et bien sûr ce que j'aurais utilisé pour les deux versions. La première version, vous l'avez déjà découverte sur mon blog notamment avec la collection Botanique Ancrée, mais je vais aussi vous faire découvrir le papier que je vais utiliser pour cette deuxième version et vous allez voir à quel point on peut eh bien, varier les thèmes et les plaisirs. Coucou Nathalie, ça me fait plaisir de te voir ici. Merci Viviane. Alors, attention, c'est parti. C'est parti pour la découverte donc de la collection et de la première version de ce fameux projet d'une carte style tente. Pourquoi style tente? Eh bien parce qu'il y a cette fameuse ouverture sur l'avant que si, regardez, je la mets comme ceci, voilà, hein, on a l'impression qu'on peut rentrer dans la petite tente. Ici. Et du coup, donc si je l'ouvre, en fait, c'est comme s'il y avait deux cartes et elle est suffisamment grande pour écrire soit à plusieurs, soit un long message à la personne à qui on va l'envoyer. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez voir, le plus compliqué, entre guillemets, ça va être de créer cette fameuse ouverture ici. Mais voilà, si on va bien étape par étape, il n'y a aucun souci pour la faire. Et puis l'intérieur, c'est basique aussi, une petite carte toute simple. Donc là, je l'ai réalisée avec donc la collection Botanique Ancrée. Vous voyez, vous avez les papiers ici. Il y en a beaucoup, beaucoup, vous allez voir. C'est du papier au format 15-15. Vous pouvez retrouver cette collection page 94 du catalogue annuel. Vous avez un aperçu donc des couleurs uniques coordonnées à cette collection: corail calypso, carimoulu, lagon lointain, pétale rose et piscine partie. Donc les couleurs sont ici. Et les papiers ici vous sont présentés recto verso ou recto verso. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas vous avez les deux faces. Hop, et je retourne. Vous avez encore d'autres motifs à l'arrière. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de choix dans cette collection de papier. Vraiment, elle est très gaie, très douce, très romantique aussi, je trouve, cette collection. Elle est vraiment très chouette. Ici, eh bien, on retrouve le sentiment joyeux anniversaire dans le set Les plus belles occasions, qui regorge de sentiments pour plein plein d'occasions aussi, donc ça c'est vraiment un des sets de tampons qu'il faut avoir. Et j'ai pris aussi ce joli tamponnage qui est là. Vous avez beaucoup de lueur bleue sur vos yeux. Est-ce une mauvaise connexion? C'est mon iPad. Non, non, alors sur mes lunettes en fait, c'est parce que j'ai des lunettes qui sont anti-lumière bleue et anti-reflet, et quand je suis face à l'écran d'ordinateur, vous avez un retour bleu sur l'image, mais ça ne vient pas de vous, c'est uniquement moi, et c'est sur mes yeux, sur mes lunettes. C'est juste à cause de mes verres. Donc je vous disais, ce petit tamponnage ici, là, cette belle découpe, eh bien, aucun problème, Martine. Eh bien, elle est ici, ça vient de magnifiquement unique. Vraiment très joli, je l'ai déjà utilisé sur un projet précédemment, notamment une page de scrap que je vous avais proposée.
Et on a les découpes coordonnées ici qui sont vraiment très très jolies. Donc on peut faire plein plein de choses avec, hein. N'hésitez pas. Huron, tais-toi. Le chien est couché derrière moi et il pleure parce que son maître est parti. Aujourd'hui, pour la deuxième version, eh bien, je vous montre tout de suite. Nous allons partir sur la fête des pères. Nous venons de faire la fête des mères hier. Ça suffit, Huron. Et donc, oui, les tailles sont magnifiques, Fafa, je suis d'accord. Nous allons partir donc sur la fête des pères, une carte masculine, avec la collection Allons à la pêche. Donc là, nous sommes sur du papier en 30,5 par 30,5. Vous retrouvez la collection page 78 du catalogue. Et toujours donc les couleurs unies, coordonnées. Celle-là, on ne la voit pas très bien sur le blanc. C'est le trait vanille. D'accord, c'est la base, la couleur de la base que je vais utiliser. Vous la verrez mieux en vrai. Donc vous avez un aperçu. Voilà. Ce sont des couleurs très très jolies. On a des petits poissons pour les fans de la pêche. Ça va être très sympa. Voilà, donc 30,5 par 30,5 pour la taille de ce papier. Et donc, à la page 78 du catalogue, vous pouvez la découvrir avec le set de tampons, les dies coordonnées, évidemment. Donc voilà, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Alors, je mets ça de côté et puis je vous propose de prendre votre matériel si vous avez déjà tout préparé. Et puis sinon, installez-vous, profitez. C'est parti pour la création de cette carte. Alors, pour la base de la carte, donc je vais rester sur... Bonjour Nicole, comment ça va? Le trait vanille que j'ai utilisé déjà pour la première version. Hop. Et pour cela, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 30,5. Par 15,2, ce n'est ni plus ni moins que la moitié d'une feuille 30,5 par 30,5 et en l'occurrence le trait vanille ici. Alors je vais allumer, vous allez me dire si c'est mieux ou pas. Bonjour Carole, comment ça va aujourd'hui? Hop, je prends mon petit schéma pour ne pas vous faire faire de bêtises, bien qu'on soit quand même pas à l'abri d'une boulette, on est d'accord? Je ne sais pas si la lumière c'est mieux ou moins bien. Hop. Voilà, peut-être que ce sera mieux pour vous. Alors, on y va, c'est parti, tout le monde est prêt? On y va. Ok, donc sur ce morceau de papier de 30,5 par 15,2, bonjour Joël, bienvenue. Nous allons dans un premier temps faire un pli à la moitié, donc à 15,2. Pour simplement faire la carte, ok? Oui, vous pouvez, Martine, bien sûr, il faudra juste adapter, eh bien, pour essayer de centrer, par exemple, pour l'ouverture de la carte, par exemple, ça va jouer à un tout petit peu moins d'un centimètre. Je regarde pour m'améliorer, je ferai en replay, pas de problème. Donc, c'est parti, alors ça, je vais mettre ça là pour l'instant. Hop, donc un pli à la moitié, donc à 15,2, jusque là, ça va bien se passer, c'est très simple. C'est bon? Voilà, donc là, on est d'accord que c'est très simple. Je vais vous montrer le schéma pour que vous puissiez dans un premier temps vous faire une idée de ce qu'on va réaliser ensemble. Donc là, on est sur la base de cartes, d'accord, avec le pli au centre, ok, et du coup, voilà, ici, la perpendiculaire, ça va être notre future coupe, d'accord, donc, ici, un pli à 3,2 depuis le pli de la carte, donc, à partir de ce pli-là, d'accord, qui est ici. Ok, une petite marque. Alors ici, faites bien attention, ici c'est une flèche, d'accord? Ici, c'est une flèche également, là et là, ainsi que là et là. Coucou Nathalie, t'inquiète, pas de souci.
Ok, je vous ai reporté en fait sur le schéma les distances à chaque fois, donc par rapport à la carte ou par rapport au pli. Ok, donc le principe ici, eh bien, c'est de faire une coupe à 3,2 depuis la gauche et puis la droite et à 3,2 depuis le bas de la carte. D'accord? Ici, se faire une petite marque par exemple. À 3,2 depuis la ligne de pli qu'on vient de faire, donc la moitié de notre carte, d'accord, et à 7,6, donc tout simplement au centre de la largeur de la carte, d'accord. 7,6, c'est le centre de la largeur de la carte. 4,4 que vous voyez ici, c'est le centre de cette ligne ici que nous aurons coupé, tracé, comme vous voulez, selon si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez d'abord la tracer. D'accord? Et elle se situe donc, cette ligne ici, à 3,2 depuis la droite et 3,2 depuis la gauche, et à 3,2 depuis le bas. Ok? Alors, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas, mais je voulais déjà vous donner un premier aperçu de ce que l'on va faire et de ce que l'on doit obtenir. Ce que l'on doit obtenir, en fait, tout simplement, si vous voyez la carte ici terminée, d'accord, on a donc ici, hop, la carte ouverte, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord. Donc, depuis cette ligne de pli, on aura 3,2, d'accord. On a 3,2 ici et pareil ici. Idem depuis le bas ici vers là, d'accord. On a bien cette ligne ici que nous aurons coupée. Et ici, la perpendiculaire qui se situe donc à 7,6, c'est-à-dire la moitié de la largeur de la carte, d'accord. Et ici, le centre de la ligne horizontale, hop, 4,4. Ok. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à tracer, d'accord, à vous faire les petites marques au crayon et après seulement à venir couper la fameuse perpendiculaire. Ça marche? Martine, va falloir vous adapter tout simplement par rapport à la largeur de votre carte, d'accord? Puisque du coup, en haut et en bas, vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes mesures que moi. Luron, ça suffit! Oh! Et on se pète en plus. Alors, toc. T'es sérieux? Je prends mon papier. Alors, soit vous êtes à l'aise, et dans ces cas-là, vous pouvez y aller directement avec le coupe-papier. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à venir faire les marques au crayon. Ce que je vous propose, moi, c'est je vais faire d'abord les marques pour pouvoir m'adapter à tout le monde. Et je ferai probablement mes coupes après avec mon coupe-papier. Alors, première étape, je prends mon crayon, ma règle. Donc, je vous invite à travailler sur l'intérieur de votre carte. Vous verrez, ce sera plus esthétique. Alors, donc on disait, on va ici vouloir couper une ligne horizontale qui se situe à 3,2 des deux extrémités. Donc, tout simplement, je vais déjà me faire une petite marque. T'as cru que c'était ta chienne, Nathalie? Non, non, c'est mon chien qui est vraiment couché derrière moi, d'ailleurs, juste derrière ma chaise. D'ailleurs, si je recule, je roule dessus. Et il pleure. Donc, je fais une petite marque ici, 3,2 depuis la gauche. Et également depuis la droite à 3,2. Petite marque légère pour pouvoir l'effacer après. Ok? Je me fais une autre marque, donc depuis le bas, toujours à 3,2. Voilà, bon, c'est pas très centré mon histoire, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais pouvoir, en fait, tracer mon trait. Pour rejoindre les deux points que je me serais fait ici, et bien à 3,2 depuis le bas. Alors, mon histoire va pas être très droite, donc je vais remettre ça plutôt. Alors, un peu de place. Voilà, ça va aller drôlement mieux.
Coucou Chantal. Merci Harmonie pour tes super tutos. Avec plaisir Chantal, merci à toi. Alors, 3,2, voilà, c'est plus là. Ok, ça va quand même être plus clair mon histoire. Et du coup, je viens tracer ma petite ligne. Toc. Voilà. Donc là, j'ai ma petite ligne qui sera bientôt coupée. Donc qui est bien à 3,2 ici, 3,2 ici et 3,2 en bas. Vu que ma ligne est tracée, là on peut tout de suite, si on le souhaite, donc elle doit faire à peu près, vous l'aurez compris, 8,8 de long. Donc je viens faire une petite marque au centre à 4,4. D'accord ? C'est pour marquer la base de la future perpendiculaire. Ensuite, je vais venir prendre ma mesure depuis la ligne de pli en haut, donc de ma base complète de carte. Ok. Étant donné que j'ai déjà fait marquer mon centre, ça va me guider un petit peu plus. Voilà. Donc là, ma marque doit se trouver à 3,2 depuis la ligne de pli. Ok. Et pour être sûr qu'elle est bien placée, je vérifie qu'elle sera bien à 7,6 depuis le bord de ma carte. Je vérifie. C'est pas mal. Ok. Et maintenant, je peux tracer ma ligne de guide de la future coupe. Voilà. Et du coup, on a bien nos droites perpendiculaires. Voilà. Ok, ici et là, tout simplement. Donc là, pour pouvoir faire les ouvertures, soit vous prenez votre tapis de coupe et un cutter, ou vous utilisez votre coupe papier, c'est vraiment comme vous le sentez, hein, vraiment là où vous êtes la plus à l'aise. J'en peux plus le chien, je suis désolée, c'est horrible. Ok. Donc maintenant, je vais couper, je prends mon coupe-papier. Donc là, je vais tourner, je me mets à 3,2. Toc. Comme j'ai ici ma règle en centimètres, je vais pouvoir positionner ici, pareil, à 3,2. On a de la chance, c'est les mêmes mesures. Toc. Et pour information, on s'arrête à 12,2 si vous avez le même coup de papier. Voilà. Et maintenant, je vais donc couper la perpendiculaire. Et pour cela, il me suffit de me placer ici à 7,6 et à venir couper cette fameuse perpendiculaire. Et pareil, ça s'arrête à 12,2. Voilà. Et du coup, ça y est, l'ouverture est faite. Pardon. Alors, j'espère que ça va pour tout le monde, que j'ai été suffisamment claire et pas trop rapide. Normalement, ça devrait être OK. Alors, donc là, j'ai toujours l'intérieur de ma carte. Hein, d'accord ? Donc, si je prends la carte finie, OK, je suis comme ça. Ça marche. Donc là, vous prenez votre outil pour plier. Coucou ma petite Camille, t'inquiète ma bichette. Et en fait, il nous suffit simplement de venir marquer des plis en faisant se rejoindre les sommets de ce fameux triangle. Donc là, c'est pas compliqué non plus. Hop, je prends mon outil et ma règle. Voilà. Alors, est-ce que ça fait la bonne? Que je me mette bien au bon endroit. Alors, 3, 2, 1, c'est bon. Hop. Je me place au sommet et je viens rejoindre par un pli, donc les deux sommets de ce triangle, pour le terminer en fait, tout simplement. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà. Ça va tout le monde? C'est ok pour vous? Et voilà. Et du coup, maintenant, je vais tout simplement marquer ce pli. Toc. Merci ma fafa. Tranquillement. Voilà. Pour ce qui va être vers l'avant de la carte extérieure. D'accord. Voilà. On marque bien. Tranquillement. On y va en douceur. Pour ne pas arracher le papier. Et voilà. Maintenant, on peut marquer tout ça. Alors, on efface nos petites lignes de crayon si on les a faites, bien sûr. Coucou Catherine, comment ça va? Toc. Ok. Ça, c'est bon, j'ai mes petites marques ici. Allez, voilà. Hop. T'inquiète pas Catherine, tout va bien. Vous avez bien raison de profiter du soleil, il faut. Et voilà. Toc. Et du coup, lorsqu'on retourne et qu'on referme notre carte, voilà, on a... Donc, notre ouverture qui est faite, tout simplement. Donc, on marque bien nos plis maintenant partout. On fait attention à notre petite pointe du haut pour qu'elle reste la plus jolie possible. Et voilà, tout simplement. Alors, on continue. Maintenant que le plus dur est fait finalement, hein, vous allez voir... Le reste est de la déco, vous allez trouver ça très simple. On va s'occuper des papiers unis et des papiers à motifs. Coucou Marutine, comment vas-tu? Tu n'arrives pas à voir les mesures, Catherine. Alors, attends, regarde. Je te remonte le schéma rapidement. Mais de toute façon, tu pourras la télécharger après, t'inquiète pas. Ou alors tu fais une capture d'écran. Voilà, ok, allez, on continue. On va maintenant rapidement s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc là, je suis en pavé de galets, coordonné évidemment avec la collection que j'utilise aujourd'hui. Donc là, ici, cette carte mesure 29,2 par 14,6, ok. Et on va faire un pli à 14,6 sur les 29,2. Alors là, on est d'accord, hein, ce n'est pas compliqué pour un sou. Donc, hop, je prends mon pavé de galet, toc toc, je me place à 14,6 et je marque mon pli, tout simplement. Et je plie ma carte ici. Voilà. Donc cette partie-là va aller à l'intérieur de ma base. Ok, elle va venir ici. D'accord. Donc avant de venir la coller, je vais commencer à la décorer. Pour cela, il vous faut un morceau de papier à motif. Voilà, regardez celui-ci, il est vraiment très joli avec le bleu bohème. Donc pour la face avant de la carte intérieure, donc celle qui va dans notre base. Ce morceau mesure 14,1 par 14,1. Donc il va venir se positionner ici. Je vais venir le coller tout de suite. Pour l'intérieur de cette petite carte, pour l'intérieur de la carte intérieure, j'ai pris un autre morceau de papier très vanille, bien sûr je reste dans les mêmes tons, qui mesure exactement la même dimension que le papier à motif ici. D'accord? Donc 14,1 par 14,1. Et ces petits coins ici, eh bien non, ils ne viennent pas de la collection Allons à la pêche.
ils viennent tout simplement de ce set-là. Parce que non, il n'a pas disparu, il est toujours présent. Donc vous voyez, c'est ici, donc je les ai tamponnés aux quatre coins du papier en bleu bohème, parce que je le trouvais super sympa. Et du coup, mon sentiment sera celui-ci. Je suis en train de réaliser que je ne trouve pas mon étiquette, mais elle va bien réapparaître. Voilà, ici. Donc ça sera celui-ci, avec celui-ci aussi, vous verrez tout à l'heure. Et j'ai utilisé l'étiquette ici. Donc ça tombait très bien pour la fête des pères, nous sommes d'accord. Donc on n'oublie pas, si on veut tamponner, mettre un sentiment ou des motifs sur le papier, toujours, toujours, on le tamponne avant de venir le coller. Donc je vous rappelle que pour cette petite carte intérieure, le papier à motif et le papier qui va vous servir à écrire un message, eh bien mesurent tous les deux 14,1. Donc ça, c'est pas compliqué pour se souvenir des mesures, c'est exactement, ce sont exactement les mêmes. En français, c'est mieux. Alors, je colle ça, et une fois que ces deux morceaux seront collés, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le coller à l'intérieur de la base de carte. Si je mets les poissons la tête en bas, ça va être moins joli. Voilà. Alors, pensez que ce papier, il va apparaître. Coucou Monique, comment vas-tu? Il va apparaître ici, à l'ouverture, d'accord? Hop. Et pour l'intérieur, donc je le mets ici. Voilà. Et voilà. Du coup, ça fait une carte carrée basique. Donc je reprends ma base et du coup je vais venir coller cet ensemble à l'intérieur, tout simplement. Et après on va pouvoir s'attaquer à la partie décoration sur l'avant de la base de carte. Ah, je suis à la fin de mon rouleau, ça c'était sûr. Et voilà, ça commence déjà à prendre tournure, vous voyez, on aperçoit donc nos petits poissons ici, toc et toc. Le mélange de ces couleurs, je trouve ça vraiment très chouette. Merci Monique, c'est trop gentil. Alors, on attaque donc toute la partie déco pour l'avant de cette carte ici. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas un seul morceau, d'accord? Tout est séparé par des bandes de papier. Donc, je vais vous donner, bien sûr, toutes les mesures concernées pour les quatre autour. Et puis, on va aussi faire donc, les parties triangles ici, ici et là. Ok? Alors, pour cela, je vais déjà vous donner les mesures. Coucou Ali, ça va ma poulette? Les mesures pour le papier uni des quatre bandes, hop, qui sont ici. Donc il vous faut quatre morceaux de papier uni qui mesurent 11,5 par 2,5. J'ai gardé la même couleur que ma carte unie à l'intérieur, donc je suis restée sur le pavé de galets. Ok, donc ça c'est mon papier uni. Là. Je les mets là. Les papiers à motifs qui vont aller sur ces fameux morceaux mesurent tout simplement 11 par 2. Hein, si vous en avez l'habitude, 0,5 de moins à chaque fois. Là, du coup, on a les petites mouches. Vous voyez, c'est chouette. Hein, donc là, tout simplement, je vais venir les coller dessus tout de suite. Alors, je vais faire ça rapidement. Hop. Voilà, donc du coup je prends ma colle, hein, évidemment. Je vous remets les mesures ici, comme ça vous les avez au cas où. Mais vous le savez, vous aurez toute la fiche technique après le live sur mon blog. Ça, ça vous permettra de la télécharger, de l'imprimer si vous le souhaitez.
pour pouvoir faire et refaire le projet tranquillement, sans souci. Et du coup, comme sur la fiche technique, je mets le numéro du live ainsi que le nom. Vous pouvez aussi retrouver même plus tard facilement sur ma chaîne YouTube la vidéo. Ça vous permet d'avoir vraiment un suivi et de garder tout ça en mémoire. Voilà. Hop, je viens coller tout ça. Hop, hop, hop. Oups. Non, ça va. J'ai failli tremper dans la colle, mais non. Allez. Bon, l'avantage avec la colle, c'est que du coup, on peut replacer comme il faut. Voilà. Et la dernière. Je trouve que le papier ressort super bien sur le pavé de galet. C'est très sympa, je trouve. Vraiment très joli. Vous savez quoi? Je vais faire sortir le chien parce que vraiment... Hein? Huron! Allez, viens! Huron! Voilà. Allez, on va faire ton tour. Oh. Ça y est, on va plus l'entendre pleurer. Toc. Et voilà. Donc ça, c'est bon. C'est ok, je mets ça de côté pour l'instant. On fera, je montrerai le tout sur la carte après. Tout de suite, j'ai gagné, dit le chien. Bah oui, oui, autant qu'il aille dehors. Alors, on va s'occuper maintenant des parties triangle, ici, et là, de la carte. Alors, je retire ces post-its, ça, je le mets de côté. Il vous faut, pour les premiers, pour les deux, enfin les quatre triangles, deux morceaux de papier uni. Le premier mesure 7,6 par 3,5 et le second 7 par 3,5. Ok ? Tout bêtement, on va couper chacun de ces deux rectangles en diagonale. Alors, je ne sais pas si vous avez percevé mes petits traits. Voilà. Donc simplement, on vient tous les deux les couper en diagonale. Donc là, peu importe le sens, on s'en fiche un peu, c'est du papier uni. D'accord ? Alors, je vais les couper tout de suite, ça sera fait. Voilà, je prends mon papier. Hop, je viens placer une pointe dans la rainure ici et l'autre pointe aussi, on vise. Toc, toc. Rien ne vous empêche de faire tenir le papier avec un bout de masking tape si vous avez peur que ça bouge trop. Je place ma lame n'importe où, mais je ne démarre pas à la pointe pour ne pas abîmer la pointe du papier. Voilà, j'ai mes deux premiers triangles. Et je fais pareil avec le second morceau. Hop. Voilà, c'est bon, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Donc là, ça y est, j'ai mes quatre triangle. Coucou Anis, coucou Christelle, comment ça va les filles? J'ai les quatre triangles qui vont pouvoir donc être posés ensuite ici. Mais avant, je veux les décorer parce que ça risque d'être un peu fadasse. Donc si vous voulez laisser tel quel, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi les passer dans un plioir de gaufrage à froid, aucun problème aussi. Mais vous pouvez aussi les décorer. Pour cela, il vous faut, hop, donc là je les ai séparés du coup, voilà, deux morceaux de papier à motif de 6,5 par 3, d'accord, et deux autres de 7,1 par 3, ok? Toujours le même principe, ça va être de couper ces rectangles en diagonale pour pouvoir venir décorer nos papiers. Alors, ici, c'est mon plus grand. Ouais. Voilà. Alors, je vous invite à positionner ces triangles sur votre base de carte pour vous rendre compte de leur emplacement. Je vous mets la carte ici.
Ok, donc il y en a deux qui viendront ici, d'accord? Ce sont ceux-là. Et deux qui viendront derrière, ce sont ceux-là. D'accord? Pardon. Là. Donc ça, non, les grands. Voilà. Donc les grands qui mesurent 7,6 par 3,5 vont sur la partie avant. D'accord? Donc ça viendra ici. Et le second, j'ai vraiment un défaut de... Voilà. Les deux grands, ils viennent ici. Donc, même principe pour nos papiers à motifs. Les plus grands, ici. Ici. Et ici. Pourquoi est-ce que je vous en ai fait couper deux? Parce que comme ils sont face à face, eh bien... Si vous n'en coupez pas deux, eh bien vous aurez un recto, un verso, et vous n'aurez pas les deux mêmes papiers. Tout simplement, l'astuce, elle est là. Donc là, vous pouvez aussi vous laisser guider par votre triangle pour vous rendre compte où couper la diagonale. D'accord ? Donc là, je sais que pour cette partie-là, je vais couper de gauche vers la droite. Si vous avez peur de vous tromper, eh bien faites-les les uns après les autres, comme ça vous serez sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Hop. Donc ici, je coupe bien de gauche à droite. Voilà, je fais exactement le même principe que tout à l'heure. Hop, je positionne ma lame et je coupe en diagonale. Voilà. Du coup, celui-ci, il va rentrer nickel ici. Pour pas me tromper, pour être sûr de pas le perdre, etc. Je vais le coller tout de suite. Voilà. Ça évitera les erreurs. Voilà. Ok. Et donc celui-ci, il va venir se positionner ici. Donc c'est pareil. Pour être tranquille, on y va, on colle direct, comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise. Voilà, on le centre. Ok, et voilà, celui-là, on sait que c'est bon, c'est calé. Alors, je vous montre, celui-ci, on est d'accord, il va ici. Si je veux utiliser le second... Je me rends compte que si je veux qu'il soit dans le bon sens, voilà, c'est pas le même. Par contre, ça peut être un choix, donc ça, pas de souci. Si ce n'est pas un choix, c'est pareil, laissez-vous guider, d'accord, positionnez-le. Et là, du coup, maintenant, je me rends compte qu'il faut que je coupe de droite à gauche. C'est tout simple, hein, on est d'accord, mais du coup, pour peu qu'on soit dérangé, déconcentré, on n'est pas à l'abri d'une erreur, donc voilà, on fait au fur et à mesure et du coup comme ça on est tranquille. C'est ok pour tout le monde? Je vous ai pas perdu, j'espère. Toc, voilà, et maintenant j'ai bien donc mon second triangle dans le bon sens avec le bon côté de papier. Et du coup on va faire la même chose pour les autres. Merci ma femme. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. J'en profite juste pendant que je suis en train de coller ça. Je suis super contente parce que du coup, j'ai accueilli vendredi une nouvelle Stamp Lovers. Ça me fait super plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je la connais déjà, donc ça c'est chouette. J'espère. Je suis sûre qu'elle va pouvoir profiter de plein de choses. Donc vous aussi, si vous avez envie de rejoindre les Stamp Lovers, c'est le moment. Alors, les deux petits bouts là, vous pouvez les garder pour faire d'autres projets. Bien sûr, vous en avez l'habitude. Merci ma petite Fabienne. Je prends mes deux autres morceaux, 6,5 par 3, et je continue. Donc, hop là, on les positionne. Non, t'as vu, je suis bien concentrée.
ces deux triangles-ci viendront se positionner comme ceci. Donc je prends mes morceaux, voilà, toc, je choisis un sens, merci Ali. Hop, même principe, on va couper là, ok, oups. Ça y est, je commence à avoir chaud les amis. Celui-ci, ok, nickel, et pareil, vous faites la même chose, toc, et voilà, celui-là, de là à là. C'est assez élémentaire, je vous l'accorde, mais comme je vous disais, on n'est pas à l'abri d'un petit moment de déconcentration. Oups. Celui-ci, ça sera bon, ça va venir ici. Voilà, bon, on est d'accord, hein. Ce n'est vraiment pas compliqué. Merci Ali, je l'ai fait péniblement hier. Tac. Mais au moins, même les débutantes seront à l'aise et pourront faire leurs cartes tranquillement, sans s'angoisser, sans avoir peur de se tromper. Oui, oui, Nathalie, c'est pour ça aussi. C'est parce que je savais que tu risquais d'être là. Donc, je me suis dit, je détaille, je donne un max d'infos et je prends le temps parce que sinon, je savais que tu essaierais de me perturber. Voilà, comme ça, ça viendra ici. Je vais pouvoir maintenant récupérer donc mes quatre rectangles que nous avons préparés juste avant. Et on va pouvoir maintenant les positionner. Le principe, ça va être de venir dispatcher tout autour. Donc, en n'oubliant pas de laisser une petite marge à chaque fois. Donc, on positionne avant d'aller coller. Oh oui, Nathalie, je sais bien que tu peux rester calme. Je ne l'ai pas encore vu souvent, mais je n'en doute pas quand même. Voilà. Le principe va être d'aligner ici les rectangles. D'accord ? Donc on n'hésite pas à décaler un petit peu par rapport à la base du triangle. Voilà. Et vraiment le fait de positionner avant, ça permet vraiment de nous donner une idée du résultat final avant de se lancer à coller. Il faut que ce soit le plus équilibré possible. Voilà. Vous avez vu, ça prend déjà tournure. Alors du coup, on y va. Merci Fabienne. On positionne ça. On les pose un par un, tranquillement. Vous pouvez aussi vous fier au premier. Je descends un petit peu, juste pour ne pas vous coller ma tête dans le champ, mais pour réussir à viser quand même sur ma carte. Voilà. Que ce soit à peu près droit. Merci Nicole, ça me fait super plaisir. De savoir que les explications sont suffisamment claires, c'est chouette. Ok Ali, va charger ton téléphone. Une fois qu'on a posé le premier, c'est bon, on peut se laisser guider pour pouvoir aligner encore plus facilement. Mais d'où l'intérêt surtout de bien positionner l'ensemble des papiers avant pour déjà se donner un premier aperçu. Voilà, on peut aligner par rapport à notre bande ici et par rapport au côté de la carte. Et on continue à poser donc tous nos rectangles. Tout simplement. J'avais un gros doute au départ avec cette collection Allons à la pêche. Mais finalement, elle est quand même super chouette. Puis alors, elle est avec le bleu bohème que j'aime beaucoup. Donc vraiment, ça rend super bien. J'avais fait une carte comme ça pour l'anniversaire de mon beau-père. Justement, avec cette collection, ça tombait parfaitement bien. Il pratiquait la pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup par le passé. Hop. Ouh, ouh, ouh. Voilà.
on descend, on aligne. Toc. C'est pas trop mal. Et il me reste donc les deux triangles ici à positionner. Voilà. Hop. Ici et là, donc on aligne tout ça. Ok. Ça va, c'est clair pour tout le monde. Vous arrivez à suivre, j'imagine. Bon, maintenant, c'est juste à coller. Hein. Alors, je vais attraper ça. Là, peut-être. Voilà. À la pêche aux moules. Ah, t'es quand même toujours très, très en forme, Nathalie. Hein, faut le dire. Toujours bien positionné avant de coller. Ok, ça me paraît pas trop mal. C'était la collection sur la baie, Annelise, peut-être, dont tu parles. Et voilà. Tous mes papiers sont bien collés. On a ici, toc, et ici. Il me manque uniquement que la petite étiquette que j'ai préparée tout à l'heure et que je vous promets, je ne retrouve pas. C'est quand même fou ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, sachant que j'ai fait plusieurs tentatives, je suis encore capable de l'avoir jeté dans la foulée. C'est quand même ballot. Mais dites-vous. Non, elle n'est pas dans la poubelle. Alors, mon étiquette se cache. Incroyable. Incroyable cette histoire. La dernière fois, ça avait disparu sous un post-it. Et bien là, j'ai bien peur que non. Ouais, tu vois, Nice, les grands esprits se rencontrent. Pour le coup, cette fois, c'est pas sous post-it. J'avais même préparé, c'était mes dimensionnels étaient posés et tout. C'est quand même fou, ça, cette histoire. Incroyable. Elle était toute jolie, mon étiquette, en plus. Bon, eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais la refaire tout à l'heure, hein. Bon, Huron l'a emmené, va savoir. Parce que Huron, il est friand de papier, voyez-vous. Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai, elle était cachée. Voilà. Voilà le petit message. C'est chouette, hein? Bleu bohème, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. J'ai utilisé l'étiquette ici. Donc les points sont incomparables. Avec le set de tampon, un homme incomparable. Voilà, ce sentiment-là. Et le numéro 1. Hein. Izzy aussi, elle aime bien les papiers. Ah ouais, non, mais moi, c'est dramatique. Hein. Il adore les papiers. S'il les chope dans ma poubelle, il les mâchouille, ce cochon. Hop. Voilà. Et du coup, je n'ai plus qu'à venir coller ça. Ici. Et voilà. Et voilà, du coup, la version carte fête des papas. Avec la collection Allons à la pêche, avec le papier pavé de galets. Combiné avec eh bien, le set de tampons Un homme incomparable, donc pour la fête des pères. Voilà, elle est très douce aussi. Profite Patricia, profite. Merci Francine, c'est gentil. Voilà, toute douce, on a de la place et tout, ça c'est super chouette. Vous voyez. Et on a donc les deux versions. Anniversaire, fête des pères, comme je vous disais, on peut vraiment faire tous les thèmes possibles. Ça, c'est vraiment, vraiment très sympa et très pratique. Et du coup, ça fait une carte originale, suffisamment grande pour écrire à plusieurs ou un long message.
puisque du coup on a cette grande partie à l'intérieur. Si vous avez utilisé une carte claire en base, eh bien vous pouvez continuer votre texte à l'arrière. Oui Anise, exactement. Parfois on a beaucoup de choses à dire, donc l'avantage de ces cartes c'est que du coup c'est super sympa. Les petits coins, ils habillent tout seuls l'intérieur. Et voilà, ça y est, la carte est terminée. Alors, je reviens vers vous. Merci Nicole, c'est super gentil. J'espère que la création de cette carte vous aura plu et que vous allez en faire plein. J'espère que j'étais pas trop soporifique avec les explications, mais suffisamment pour les débutants et les débutantes. J'essaye à chaque fois de m'adapter à tout le monde. Vous voyez, Martine, il y a encore... voilà. Le bleu, c'est pour protéger mes yeux avec l'ordinateur. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre dans quelques minutes sur mon blog harmoniescrap.fr. Vous allez retrouver cette vidéo, la fiche technique complète avec le schéma pour réaliser donc la découpe de la carte, d'accord ? Et bien sûr, la liste de tous les articles que j'aurai utilisés pour les deux versions de la création d'aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas une super promo pour rejoindre la famille Stampin' Up. Venez tenter l'aventure, venez rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. Vraiment, vous n'avez pas grand-chose à perdre, à part vous faire plaisir avec 129€ de produits payés et 207 choisis. On en parle ensemble si vous le souhaitez. Envoyez-moi un petit message ou appelez-moi ou voilà, et je répondrai à toutes vos questions, bien sûr. Venez tenter cette belle aventure. Allez, ça sera qui la prochaine? Je vous attends. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres inspirations créatives. Prenez soin de vous, profitez de cette belle météo qu'on a en ce moment, protégez-vous du soleil quand même, d'accord? Et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde, merci pour tout.